Kondo-san. Dites-moi, comment s'est passée votre journée? Nous avons appris sur l'Égypte ancienne en cours d'histoire aujourd'hui. Très bien. J'ai lu des livres sur l'Égypte. C'est l'une des plus anciennes civilisations. Maman, tu penses que les pharaons ont été de mauvaises personnes? Pourquoi cette question maintenant? À cause de ce que notre professeur nous a dit. Les pharaons étaient des chefs d'État et aussi les plus hauts prêtres d'Égypte il y a des milliers d'années. Écoutez. Mère Gèvre se leva de sa chaise, se dirigea vers la bibliothèque et revint avec un livre. Elle se rassit et commença à le feuilleter. Voilà, j'ai trouvé. Voyons qui étaient les pharaons. Le premier pharaon a vécu il y a environ 3000 ans. Le système pharaonique se transmettait de père en fils. Les pharaons ne traitaient pas bien leur peuple. Il y avait beaucoup de pauvres. La vie n'était pas trop facile dans ce temps-là. Beaucoup de mystères entourent encore les pyramides. Par exemple, pour faire peur aux autres, certains des pharaons portaient des masques étranges. Quand ce fut l'heure de se coucher, les petites chèvres s'endormirent tout de suite. Elles rêvèrent toutes deux choses qu'elles avaient lues. À ce moment-là, la pièce se mit à briller. La lumière venait de l'extérieur et elle était si vive qu'elle a réveillé les petites chèvres. Oui, mes yeux! Les petites chèvres ouvrirent la fenêtre pour découvrir d'où venait la lumière. Elles aperçurent un énorme objet roux, ressemblant à un ovni. Il était si brillant qu'il était aveuglant. Mais qu'est-ce que c'est? Juste à ce moment-là, la lumière de l'objet lumineux disparut et une porte s'ouvrit. Un hibou très vieux apparut à la porte. Les petites chèvres s'approchèrent du vieux hibou avec hésitation. Venez avec moi, faites vite. Nous avons besoin de votre aide. C'est un vaisseau spatial? Oh non, une machine à remonter le temps. Je viens de milliers d'années en arrière. Je suis ici pour vous ramener dans le temps. Vous seul pouvez nous sauver du méchant pharaon. Vous me comprenez? T'as dit nous, mais que pouvons-nous faire? Mes chers, vous avez vaincu le méchant loup ici. Vous pouvez sûrement faire de même pour nous là-bas. Les petites chèvres se regardèrent les unes les autres. Elles ne savaient pas quoi faire. Le vieux hibou avait l'air impuissant. Alors elles eurent pitié de lui. Nous devons l'aider alors. Les petites chèvres entrèrent dans la machine à remonter le temps. La machine s'illumina à nouveau et puis elle disparut. Regardez ces énormes monuments là-bas! Les pyramides! Très bien, les enfants. Nous sommes en Égypte, dans l'Égypte ancienne. Que va-t-il se passer maintenant? Cette pyramide est en train d'être construite par le pharaon Toutankhamon. Il se concentre sur la construction de la plus grande pyramide du monde, qu'il a ignoré la souffrance de son peuple. Les gens meurent de faim et endurent la pauvreté et les maladies. Quelqu'un doit mettre un terme à cela. Le pharaon a perdu la tête. Il vaut mieux le chasser du pays totalement. Nous devons planifier quelque chose. Les petites chèvres se blottissaient et chuchotaient.
Oui, ce sera comme dans les livres que nous avons lus. Le vieux hibou était curieux et voulait savoir de quoi elle parlait. Tout le monde a compris son rôle? Oui, je pense que ce sera comme dans les livres que nous avons lus à l'école. Une fois que le vieux hibou leur apporta les matériaux dont ils avaient besoin, ils se dirigèrent vers le palais de Toutankhamon. À l'extérieur du palais, une petite chèvre grimpa sur les épaules d'une autre, tandis que les autres les enveloppèrent de bandages. La porte de la salle du trône du pharaon s'ouvrit et une voix se fit entendre de l'intérieur. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Qui ose me déranger? Les deux petites chèvres qui avaient été bandées ensemble comme une momie se mirent à vaciller vers le pharaon en faisant des bruits bizarres. Qui? Qui êtes-vous? Garde! À l'aide! Garde! Une de petites chèvres appuya sur le bouton du lecteur de musique. C'est alors que l'on entendit une voix ressemblant à celle du père du pharaon. Le pharaon ne savait pas quoi faire et avait très peur. Papa, mais c'est impossible! Papa, pardonne-moi s'il te plaît, je ne te défierai plus jamais! Vous pouvez lui donner une autre chance, monsieur. La momie des petites chèvres repartit en titubant dans le sens où elle était venue et disparut derrière la porte. Votre plan était parfait, les enfants. Merci bien, merci beaucoup. Allez, entrez pour que je puisse vous ramener. Les petites chèvres entrèrent dans la machine à remonter le temps. Tout était sombre. Puis tout s'éclaira à nouveau. Les petites chèvres se retrouvèrent dans leur lit. Ils se regardèrent les unes les autres. La fenêtre qu'ils avaient ouverte plus tôt était fermée. C'était comme s'ils n'avaient jamais quitté leur chambre. Tout cela était-il réel? Ou avons-nous fait tous le même rêve? La pâtisserie appartenait à une femme nommée Evilia. Cependant, elle était très grossière et peu aimable. Elle réprimandait réponses à chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Par ailleurs, c'était la seule pâtisserie de la ville où elle pouvait travailler. Bonjour! Tu ne peux pas saluer et travailler en même temps. Si tu ne peux pas remplir ces commandes, tu auras de gros problèmes, mademoiselle. Mais j'ai commencé à travailler dès que j'ai ouvert la boutique le matin. Peut-être que tu prends trop de commandes, pense-y. Regardez-moi cette petite morveuse. Tu te plains de ton travail, alors? Si ces commandes ne sont pas prêtes ce soir, je te coupe la moitié de ton salaire, est-ce clair? Réponse à garder la tête basse et à continuer à travailler. La seule raison pour laquelle les habitants de la ville venaient à la boutique d'Evilia était qu'ils aimaient Réponse. Le plus grand rêve de Réponse était d'ouvrir sa propre pâtisserie. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant, je vais sortir avec mes amis. Quand je reviendrai, j'espère que tout sera prêt, est-ce clair? Oui, madame. Evilia sort de la boutique en rigolant.
Ce jour-là, Réponse a tout fait. Elle n'a même pas mangé de la journée. Elle était si épuisée qu'elle s'est endormie sur une chaise. Réponse rêva de sa grand-mère qui vivait loin d'elle. Elle lui avait appris à faire des gâteaux. Elle était si heureuse de la voir. Ah, grand-mère! Grand-mère, c'est toi! Ce n'est qu'un rêve, et quand je me réveillerai, tu ne seras plus là avec moi. Je serai à nouveau seule, j'aurais souhaité que tu restes. Grand-mère a embrassé Réponse sur le front et a disparu dans un nuage rose. Dès qu'elle a disparu, Réponse a ouvert les yeux pour trouver une Evilia en colère qui la regardait fixement. Alors, tu dors dans ma boutique maintenant? Est-ce que je te paye pour ça, moi? Mais je... Silence! Ne parle plus maintenant! Je supprime la moitié de ton salaire! J'espère que tu apprendras à rester éveillé au travail, est-ce compris? Mais essayez de me comprendre! Réponse est partie immédiatement. Tout excitée, elle vérifie le tableau d'affichage devant la mairie, comme sa grand-mère le lui avait dit dans son rêve. Elle est surprise de ne trouver qu'une seule annonce sur le tableau. Elle disait « Préparez votre meilleur gâteau et gagnez le grand prix ». Alors, c'est donc ça? Réponse prit une photo de l'annonce avec son téléphone portable et retourna immédiatement à la pâtisserie. Réponse est rentrée chez elle tard dans la nuit et a commencé à dessiner son beau gâteau. Elle avait décidé de participer au concours sous un pseudonyme. Oui, c'est ça! J'ai trouvé! J'avais oublié la pâtisserie Pink Cream! Le lendemain matin, elle trouva Evilia en train de concevoir le gâteau pour le concours. Comme Evilia n'avait pas fait de gâteau depuis longtemps, ses compétences étaient moins bonnes. Les choses ne se présentaient pas bien pour Evilia. C'est un gâteau incroyable! Une beauté qu'une pauvre comme toi ne peut pas faire de son vivant! Je te montrerai bien, mais j'ai peur que tu ne portes malheur. C'est pourquoi tu ne peux pas voir mon gâteau que lorsque je reçois mon prix, d'accord? Une fois Evilia partie, Réponse a rassemblé tous ses ingrédients et est rentrée chez elle. Réponse a terminé son gâteau au lever du soleil. Elle se tenait de loin et jeta un dernier regard à son gâteau. Il était parfait. Elle prit son gâteau et se rendit dans la ville voisine. Elle attendit, cachée dans un coin. Peu de temps après, Evilia est arrivée avec son gâteau. Elle a poussé les autres concurrents qui faisaient la queue et s'est rendue à l'avant de la file pour s'enregistrer. Faites place! La championne est arrivée. Et enfin, le concours a commencé et les juges sont apparus près de la longue table. Les juges se sont tenus à côté de chaque gâteau. Certains gâteaux les ont fait grimacer, d'autres les ont fait sourire. Les juges se sont assis et ont discuté ensemble pour choisir les gagnants. D'abord, ils ont annoncé la troisième place. Le cœur de Réponse battait la chamade. Ensuite, ils ont annoncé la deuxième place. C'est mon tour maintenant. Ils vont dire la pâtisserie d'Evilia. Écoutez bien. Tout le monde a retenu son souffle. Evilia avait un grand sourire, persuadée qu'elle allait gagner. Evilia était tellement sûre de sa victoire qu'elle a complètement ignoré l'annonce du pseudonyme de Réponse. Elle avait déjà commencé à marcher vers la scène.
Mais quand elle y est arrivée, elle a entendu des gens ricaner et rire. Quand elle a croisé Répon sur la scène, elle a compris ce qui s'était passé. C'est toi? Mais ce n'est pas possible! Tu as fait une grosse erreur, je mérite la première place! Evilia était furieuse, car elle avait été humiliée. Tu es renvoyée, Réponse! Est-ce que c'est clair, tu m'entends? Non, Evilia, tu ne me vires pas, je démissionne. Alors qu'Evilia s'en va, Réponse serre la main de ceux qui la félicitent. Réponse a été accueillie dans la ville comme une héroïne. Elle utilise une partie de l'argent du prix pour ouvrir sa propre pâtisserie et avec l'autre moitié, elle aide les personnes dans le besoin. Enfin, le rêve de Réponse est devenu réalité. Kondo-san. Il était une fois. Athlète la chèvre est allée camper dans les montagnes. Elle voulait grimper plus haut que d'habitude. Le temps était parfait pour l'escalade. Athlète la chèvre avait tout son équipement d'escalade prêt. Elle savait qu'il était temps de commencer son ascension. Alors que Athlète la chèvre commençait à grimper, elle n'a pas remarqué une paire d'yeux qui l'observait de loin. Petite chippie! Comment oses-tu grimper plus haut que les autres? Je grimperai beaucoup plus vite que toi. Et une fois arrivé au sommet, j'y planterai mon drapeau. Et toi? Et petite? Tu crois que tu peux grimper plus haut que n'importe qui? Méchant loup, que fais-tu ici? Descends, ou tu vas tomber. Tu ne peux pas grimper avec ces pantoufles. Ne le fais pas! Ne sois pas stupide. Si tu peux grimper, je peux aussi. Il commença à grimper. Mais il a ignoré les conseils de la chèvre. Il ne portait pas de chaussures d'escalade appropriées. C'est si facile! Tu ne vois pas? Je peux le faire! Le loup, même si tu es mauvais et méchant, je ne veux pas que tu sois blessé. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas un athlète comme moi... Blablabla ! Je ne peux pas t'entendre ! Le loup pensait que si quelqu'un devait atteindre le sommet, ce devait être lui. Il avait tellement hâte d'atteindre le sommet de la montagne qu'il n'a pas fait attention. Il a perdu pied et a commencé à tomber. Athlète la chèvre a réagi rapidement et a attrapé la corde avant qu'elle ne cède. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Aidez-moi! Athlète la chèvre! Je tiens la corde! N'aie pas peur, méchant loup! Commence à grimper! Je vais te remonter! Ok, ok! Remonte-moi! J'ai peur! Fais attention! Le sommet est très étroit
et tu pourrais tomber. Espèce d'idiote. J'ai réussi. J'ai réussi à atteindre le sommet avant tout le monde. Youpi! La chèvre athlète a réussi à atteindre le sommet et à planter son drapeau. Sauve-moi! Sauve-moi! Mes pantoufles préférées ont disparu. Tu l'as encore fait, méchant loup! Tu n'apprendras jamais! Attends-moi, je vais te sauver! Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme dans la forêt. La division du travail dans la ferme se déroulait sans heurts. Tout le monde faisait sa part de bon gré. Bien sûr, après tout ce travail acharné, des vacances étaient bien méritées. Mère Chèvre avait hâte de partir en vacances avec ses chevreaux. Les petites chèvres rêvaient de leurs vacances. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. C'était Mère Chèvre. Elle a ouvert son sac pendant que les petites chèvres curieuses regardaient. Elle a sorti une grande enveloppe. J'ai eu nos vacances ici, mes petits. Elle ouvra l'enveloppe. Il y avait 8 tickets. Où allons-nous, maman? Pas un seul, mais plusieurs endroits. Nous allons sur un bateau. Les petites chèvres n'en croyaient pas leurs oreilles et se mirent à danser joyeusement. Nous partons demain. Tout le monde prépare ses propres bagages. Nous devrions nous coucher tôt ce soir. Ils arrivèrent au port. Le navire était beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Alors, vous montez à bord du bateau, misérable petite chèvre. Moi aussi, je le ferai. On verra ce que vous ferez quand vous n'aurez plus d'endroit où vous cacher. Le navire quitta finalement le port. Les animaux qui saluaient sur le quai remarquèrent qu'il y avait un passager clandestin sur le navire. Bien sûr, ce n'était nul autre que le grand méchant loup ricanant qui saluait à l'arrière. Pendant que Mère Chèvre bronzait, les petites chèvres couraient partout sur le très grand pont. Certains sautaient dans la piscine, d'autres utilisaient les toboggans. Ils passaient un bon moment. Au bout d'un moment, le loup quitta sa cachette en portant un déguisement. Il pouvait maintenant se mêler aux autres. Le méchant loup marchait près de la piscine. Il pensait à comment mettre la main sur les petites chèvres. Puis il vit maman chèvre allongée près de la piscine. Stupide loup! Pourquoi s'embêter avec cette petite chèvre? La mer suffirait et elle est juste devant moi. C'est bon alors, je l'ai. Quelques minutes plus tard, une voix retentit dans les haut-parleurs du navire. Cette voix était en fait très familière. Madame Mère Chèvre, Madame Mère Chèvre, vous êtes entendue aux toilettes. Pas ça, non, pas ça. Vous êtes attendue au magasin du navire immédiatement.
Vous continuez à jouer, les enfants. Je reviens dans une minute. Prenez soin de mes affaires. Cependant, les petites chèvres se méfiaient de la situation. Grand méchant loup ! Maman ! Mais malheureusement, Mère Chèvre ne les entendit pas et disparut. Vous deux, essayez de trouver où est allée maman. Les autres, restez avec moi. Deux petites chèvres partirent immédiatement à la recherche de leur mère. Maintenant, tu es condamné. Le méchant loup captura une des petites chèvres, mais l'autre était très rapide et réussit à s'échapper. Son cœur battait vite dans sa poitrine à cause de la peur. Oh non, c'est trop! Nous allons les sauver maintenant! Il est peut-être fort, mais on peut le battre en utilisant notre cerveau. Rappelez-vous, maman dit toujours la raison est supérieure à la force brute. Les petites chèvres se sont regroupées pour élaborer un plan afin de sauver leur mère et leur frère. Juste à ce moment-là, le loup avait attaché la petite chèvre à côté de Mère Chèvre. N'aie pas peur, nous allons sortir d'ici. Les petites chèvres avaient l'intention de sauver Mère Chèvre et leur frère aussi, avant l'heure du dîner. Ils se rendirent immédiatement au magasin du bateau. Une fois arrivés, ils commencèrent à crier aussi fort qu'ils le pouvaient. Peu après, le loup sortit pour voir ce qui se passait. Non seulement mon dîner. Quelle chance, méchant loup, mais la nourriture de toute moi est ici devant moi. Le méchant loup ouvrit brusquement la porte et se jeta sur les petites chèvres. Mais les chèvres savaient que le loup se laisserait prendre à cette ruse. Alors elles coururent vite. Le loup les poursuivit. Il y avait beaucoup de courses dans les couloirs du bateau. Les petites chèvres dérapèrent pour s'arrêter devant une porte entrouverte et entrèrent. Le loup fit de même. Mais à sa grande surprise, le loup trouva de nombreux enfants courant vers lui et ferma la porte derrière lui. Le loup se rendit alors compte que les petites chèvres l'avaient trompé. Les enfants se jetèrent sur le loup. Certains lui tiraient la queue, d'autres lui mordaient l'oreille, d'autres encore le prenaient pour un oreiller et le serraient très fort dans leurs bras. Puis un enfant tira les moustaches du loup avec force. Alors le loup courut pour sauver sa vie et se jeta dans la mer. La raison a prouvé une fois de plus qu'elle était supérieure à la force brute. Et ses petits chevreaux continuèrent joyeusement leurs vacances. Kondo-san. Par une belle soirée d'été, la place de la ville grouille de gens venus voir Réponse sur scène. Réponse est non seulement douée dans son rôle, mais elle est aussi passionnante. Tout le monde l'écoute avec attention. Ce soir-là, un réalisateur de cinéma très célèbre était présent parmi les spectateurs. Il avait entendu parler du talent de Réponse. Alors, il est venu la voir.
À la fin de la pièce, le réalisateur est entré dans les coulisses. Evilia l'a immédiatement reconnu. Alors, elle l'a intercepté. Bonsoir. Qu'est-ce qu'un célèbre réalisateur de films comme vous fait dans notre ville? Je veux féliciter Réponse pour sa belle performance. Evilia était verte de jalousie. Elle pensait être une meilleure actrice que Réponse, mais la preuve en était la réaction des gens, ce qui l'a contrariée. Félicitations, Réponse. Tu as été sensationnelle. Moi, personnellement, je ne voulais pas que tu sois nerveuse pendant ta performance. Je suis honorée, monsieur, que vous ayez voulu me voir jouer. Je réalise un nouveau film. Aimeriez-vous y jouer? Réponse a failli s'évanouir en entendant cette proposition. Le jour des séparations est arrivé. Enfin, Réponse est arrivée à Hollywood. Elle est émerveillée par les boutiques de luxe de Rodeo Drive, les belles demeures de Beverly Hills, les voitures de luxe qui passent à toute allure et le célèbre Chinese Theater sur l'historique Hollywood Walk of Fame où les acteurs célèbres ont leur nom gravé dans les étoiles. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons commencer tout de suite. Réponse et le directeur travaillaient de longues heures. Ils commençaient tôt le matin et travaillaient tard le soir. Le tournage s'achève et quelques mois plus tard, le film est bien accueilli. Réponse était soudainement devenue une star de cinéma de renommée mondiale. Ma ville me manque tellement. Laissez-moi partir pour quelques jours, s'il vous plaît. Oui, mais après avoir produit quelques autres films. Pendant ce temps, en ville, Evilia n'était plus intéressée par le théâtre. Le bâtiment du théâtre était en très mauvais état. Réponse a reçu des emails qui l'informaient des derniers événements concernant la ville natale. Elle était attristée par ces nouvelles. Un jour, un homme est arrivé en ville. Il a vu le bâtiment du théâtre en mauvais état. Il a réalisé qu'il pourrait utiliser certaines de ses pièces pour un bon prix. Excusez-moi, je cherche Evilia. Je suis Evilia. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux acheter le bâtiment du théâtre. Je peux vous payer une très bonne somme d'argent. J'espère que vous acceptez. Une bonne somme? Bien sûr. Vous n'avez qu'à dire oui, je m'occupe du reste. Ne vous inquiétez pas de ce qui soit. J'attends votre réponse, mademoiselle. Je dis oui alors. Le lendemain, le brocanteur commença à démonter la scène. Les habitants n'en croyaient pas leurs yeux et s'approchèrent du brocanteur. Mais pourquoi vous me dérangez? J'ai acheté cet endroit de Madame Evilia. Désolé, monsieur le maire. Il n'y a plus de retour en arrière. Il a payé beaucoup d'argent et avec cet argent, je vais construire un centre commercial en ville. Tout le monde va être heureux, croyez-moi. Et vous me remercierez plus tard pour ça. Mes amis ont besoin de moi. Je dois partir. Nous avions réglé cette question en réponse. Oui, mais c'est une urgence et je dois partir. Mais alors, tu vas laisser tomber la gloire et la fortune pour retourner dans cette ville minable? Cette ville minable, monsieur, est ma maison.
Écoute, ta maison maintenant est le plateau de tournage. Tu ne peux pas juste partir comme ça. Alors c'est comme ça? Pendant ce temps, le brocanteur a amené une grue avec une boule de démolition et des bulldozers pour démolir le bâtiment du cinéma. Tous les habitants se sont tenus par la main et ont formé un cercle autour du bâtiment du théâtre. Evilia et le brocanteur ont été surpris. À ce moment-là, une limousine s'est arrêtée devant le bâtiment du théâtre. Des cheveux dorés balayaient le sol. Puis, Réponse est sortie de la limousine. Elle était plus radieuse que jamais. Elle a balancé la mallette et l'a lancée sur le brocanteur. Je te donne le double de ce que tu vas gagner ici, tu m'entends? Prends-la et pars. Quand le brocanteur a vu l'argent, ses yeux ont failli sortir de leurs orbites. Il a pris la mallette et est parti. Evilia se contenta de regarder le brocanteur disparaître au loin. La ville tout entière a accueilli Réponse à bras ouverts. Avec l'argent qu'elle avait gagné, elle fit reconstruire le bâtiment du théâtre et la scène. Elle a également aidé les personnes dans le besoin. Elle n'est jamais retournée à Hollywood et ne s'est produite que pour des pièces de théâtre dans sa ville bien aimée. Kondo-san,